Missak Manouchian écrira à sa femme le dernier jour de sa vie « Je meurs pour la France ». Et ce qui est merveilleux dans le travail d'Aragon, c'est qu'il va reprendre parfois mot pour mot les mots de la lettre de Missak à sa femme. À travers tous les vers magnifiques qui parsèment ce poème, il y a ce moment merveilleux, extraordinaire, où Aragon lui fait dire, les mots de Missak sont légèrement différents, « Je meurs sans haine en moi ». Pour le peuple allemand. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que cette volonté de marquer l'amitié des êtres humains entre eux face à la volonté de destruction que représente le nazisme. Et lorsqu'on écoute la fiche rouge de Léo Ferré, d'ailleurs lorsqu'on écoute aussi Feu Chatterton, on voit cette dimension de témoignage, d'héroïsme historique. Et je crois que ce qui fait la puissance de cette chanson, c'est à la fois les mots du poème issus de la lettre de Missak et la musique qui nous rappelle qu'on parle de quelque chose d'extrêmement profond et qui finalement nous construit encore aujourd'hui. C'est un hymne.